Tu te souviens, il y a genre 9-10 mois, on avait fait Devine la star. On le refait, d'accord? Mais essaie de te concentrer cette fois-ci, dis pas de la merde. Oh, je me rappelle celui qui a le nid d'oiseau là sur sa tête, là, comment il s'appelle là? Joule, non mais maman, dis pas ça, on va te faire attaquer par Marseille. Oh, on s'en fout de quoi? De Jean? Non, c'est Joule, ça commence bien. Elle, c'est qui elle? C'est Wijden. Chantez quoi, Wijden? Tu es hors de ma voiture. Lui, c'est qui lui? C'est Marc pour Cora. T'as pas son numéro de téléphone puisque tu t'es connu. Tu me fatigues. Et elle, c'est qui? Oh, c'est Winternose là. Ah, dis donc, dis donc. Ah, je l'adore. Ah, dis donc, non. Ah, zanane, picone. Vas-y. Ah, zanane, picone, c'est picone. Oh, elle est géniale. Mon Dieu, ma bichette. Elle a mal fini, tu le sais. La pauvre, ouais. Mais qui va se négliger? Je vais pas me négliger. Jolie nana, recherche jolie job. Comment on fait? Je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipo. Ouais, les pipo. Oh yeah. MD, dis-moi oui. MD, oh shoot. MD, dis-moi oui. Bon, je me suis dit aujourd'hui que j'allais vous présenter mon jumeau. Non, je déconne. Mais en fait, je suis sur un site qui te permet de trouver ton jumeau dans le monde. Enfin, la personne qui te ressemble le plus, ce qu'on sent. Ah ouais, quand même, ils ont réussi à trouver des jumeaux de l'autre bout. Non, mais tu vas me dire, c'est vraiment des jumelles. Arrête de me prendre pour un con. Hein. Tu me prends pour un jambon, je suis pas Fleury Michon, moi. Il y a personne qui me ressemble sur cette terre. Je suis un diamant, moi. Je suis inestimable. Bon, je dois uploader une photo. Ah, mais faut que je prenne la photo maintenant. Non, mais t'as vu la gueule que j'ai? Je ressemble à de la frangipane. Mais let's go. Mais il va jamais vouloir me rencontrer, mon jumeau. J'ai de la vignasse derrière, s'il vous plaît. Il va me prendre pour un ivrogne. Ben, il m'aimera comme je suis. Bon, je reprends une photo un petit peu plus stylée. Je vais mettre une photo hyper sexy de moi. Comme ça se trouve, je pourrais me taper mon jumeau. C'est un peu étrange ce que je dis, là. De toute façon, la plupart des personnes à qui je ressemble, que vous m'envoyez en privé, c'est des hindous. Aucune critique, hein. Je suis pas du tout raciste. Mais bon, je vais finir avec Ganesh, moi, j'ai l'impression. Oh, yeah, ninja. Oh, yeah, ninja. Ah, vas-y, c'est en anglais. First name, c'est prénom ou nom? Un jeu en ce moment sur TikTok, il y a une tendance, je veux vraiment le faire. Tu es prête? Oui. Ça, c'est quoi ça? Un verre. Ok. Ça, on le trouve où? Un nid. Vas-y, relis les deux. Nique le verre. Oh là. Mais non, c'est pas ce que tu fais. Oh. Mais c'est pas nique le verre. Eh ben, nid et verre. Je peux plus là. On va... C'était vernis. Vernis, pas nique le verre. Et le verre, hein. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est un quoi? Chat. Ok. Ça, c'est quoi, ça? Un pot. Relis. Chapeau. Tu dabes? Mais pourquoi tu dabes? Ben, parce que je te vois sur TikTok daber. D'accord. Oui, nous, on dabe en 2020. C'est quoi, ça? Ça. Une porte. Très bien. Et ça? Et ça, c'est quoi, ça? Ça, juste ça. Dépêche-toi. Une feuille. Relis les deux. Portefeuille. Oui. Non mais alors, vous allez pas y croire, à force de commander, s'il vous plaît, je reçois des objets que j'ai même pas commandés sur Amazon. J'ai reçu ça au début, j'ai cru que c'était des rouleaux de scotch. Stress, relief, magnetic ring. Hein? C'est censé te déstresser ça, apparemment. Qu'est-ce que c'est qu'encore cette merde? Je reçois des trucs comme ça là que j'ai pas commandé, je pourrais pas recevoir des trucs qui servent, qu'est-ce que c'est ça, ces trois anneaux là, gastriques? Ah ouais, du coup... Et ça déstresse, ça? Mais c'est quoi cette merde, là? En revanche, ça fait des belles petites bagues, hein. Regardez ça. Oh, putain. Oh, vache! Ta race de merde! Alors, apparemment, on peut jouer à un jeu. J'ai peur. Je sais pas pourquoi, y a pas à avoir peur, mais j'ai peur. Oh! Hein? Oh! La magie, hein. C'est beau, hein. Moi, je vais construire mon jacuzzi. Comment ça peut voir? Là, je vois des gouttes, mais c'est pas vrai. La vie, elle me chie la gueule. Hein. Super, je viens de m'ouvrir le doigt avec un ciseau MAPED, s'il vous plaît. Faut vraiment être con, hein. Non, mais le mec avec un crayon, il peut se percer l'hymen, quoi. Non, mais il flotte, mais putain! Oh, c'est la fête à la grenouille ou quoi? Ta mère, la grenouille! Putain, c'est lourd! Oh, je me chie dessus. Je
sous mon préau et j'attends qu'il arrête de pleuvoir. La colère de Nolito va s'abattre sur cette terre. Bon, ça va, je prends des risques. Hein. Bon, le mec, il prend des risques, c'est de la pluie, ça va, c'est pas de l'acide qui tombe. Mais attendez, mais il y a des trucs de partout. Mais c'est quoi ça, c'est la centrale nucléaire? Ah, mais moi, je veux juste mettre mon cul rempli de cellulite dans de l'eau chaude et faire des bulles avec mon rectum. Hein. Mais c'est quoi cette prise là avec des boutons et tout là? Aïe, Claude François, j'arrive. Hein. Emmanuelien. Bon, tout est branché, j'ai plus qu'à appuyer sur un bouton, normalement ça devrait gonfler. Mais ça gonfle rien, l'air, elle sort par là. Là, j'ai de l'air dans l'arrêt du cul, hein, pas dans le spa. Ça y est, ça gonfle. Oh, ça met gamme de temps à se remplir. Oh. Alors, descends, on dirait un beluga qui attend d'aller dans l'eau. T'es dans ta jalousie, je donne mon jacuzzi. Allez, viens faire du swimming pool. Ah, oh, mais elle fait caca, il faut pas la regarder, sinon elle est gênée. Mais c'est mardi. Mais par contre, il va falloir que j'achète un parasol, elle va canner en plein soleil là. Parce que là, elle va sécher au soleil, elle va être aussi sèche que les couilles de fourrasse. Par contre, c'est un peu long à remplir, ben ça va. C'est pas une piscine creusée, merde. Non, pas mais là, merde, par contre. Tu viens plus jouer à la piscine là, j'ai pas fait des brasses, de la natation synchronisée, mais utilise-la, je l'ai payé cher. Allez, vas-y, tu peux y aller. Elle va y aller, je le sens. Vas-y, mollo quand même, casse pas l'architecture, hein. Parce que toi, avec ton gros cul, tu casses tout. Allez, vas-y. Putain, mais quelle conne. Mais prends de l'élan, j'en sais rien. Demain, on y est encore, ta mère. Ta mère, la piscine en plastique. Le voisin me regarde en se disant, mais qu'est-ce qu'il fait, cet abruti? J'ai appris à ma chienne à survivre dans des lieux hostiles. Il y a eu des frelons, il y a eu des couleuvres dans mon jardin. À tout moment, il va y avoir un crocodile Dundee qui va sortir de l'eau. Donc, je lui apprends à survivre dans l'eau. Allez, viens, allez, regarde, papa, il s'amuse. Wouhouhou, la fête à la grenouille. Allez, nage. Mais elle est en train de boire l'eau, elle. Oh, elle a rien compris au film, elle. Ça y est, regardez les premiers pas de ma fille. Je suis un peu dans l'excès, là, c'est pas un gosse. Qui t'a embrassé? Personne. C'était Trevor? Non. Ma Tessa aurait jamais embrassé un étranger dans un club. Je suis plus ta Tessa, tu m'entends? Mais pendant que t'embrassais un gars, moi je baisais Molly. Mais qu'est-ce que j'ai acheté encore? Moi, franchement, il faut que j'arrête de regarder télé-shopping le matin. J'ai acheté une piscine pour Pamela. J'ai même pas de piscine, mais j'achète une piscine à ma chienne. Donc on va aller bien entendu construire la piscine. Tu devrais arrêter de manger des croquettes si tu veux être leur malodou dans la piscine. Parce que là, t'es leur manoton. Je devrais plutôt fermer ma gueule parce que moi, j'ai le corps d'un beluga. Et la façade d'un mérou. On va construire la piscine? On voit bien que c'est une princesse. Je vais mettre la piscine là. Allez, c'est parti. Mais on me sent pas le cul, Pamela. C'est pas catholique, ça. Oh, qu'est-ce que j'adore arracher les cartons, ça calme mes nerfs. Non mais un carton dans un carton, c'est où la logique s'il vous plaît? La logique. Oh, elle a de la chance Pamela. Avec mon cul de pachydère, je peux pas mettre dedans. Mais les voisins vont me voir dedans, ils vont crier, oh mon dieu, un cachalot choué. Regardez, non mais... Non mais je suis dans l'excès. Bientôt je vais lui acheter une petite voiture à la chienne. Ça existe hein? C'est parti, tuyau d'arrosage magique. Regardez, il est magique. Il est tout petit. Et dès que tu ouvres, regardez, il grossit comme un serpent. Ça fait peur un peu, sa race, on dirait un anaconda. Allez Pamela, viens faire du swimming pool. Bon, je me suis dit qu'on allait faire de la merde. Donc je me suis dit qu'on allait customiser mon ordinateur. Parce que ça va être de la merde, parce que je vais encore chier cette histoire là. Je pense qu'on va mettre celui-là. Parce que celui-là, il fait un peu pierre tombale. On dirait un peu là où j'ai enterré mon ex après lui avoir foutu un coup de pelle. Bon, bref, comme je suis un peu le MacGyver de TikTok, hein, enfin MacGyver, je suis plutôt MacBacon, moi, mais enfin bon, c'est pas grave. Alors déjà, il faut nettoyer son ordi. Voilà, c'est nettoyé. Je la sens pas, cette histoire. Hein. Je la sens pas. Je sens déjà, j'ai même pas commencé que je sais que je vais déjà rater. J'ai pas confiance en moi. Oh là 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 là. Mais moi, déjà, je suis pas Bob le bricoleur. Hein. Je suis à la limite, je suis Bob l'éponge carrée, mais je suis pas Bob le bricoleur. Ah, il y a tout qui tombe, ça m'énerve. Déjà, j'ai pas mis l'ordinateur à l'endroit, donc déjà, partant de là... Voilà. Et en fait, je décolle et je pose là-dessus. Déjà, on va faire la pomme. On va faire la petite pomme. Hop. J'ai réussi la pomme. Ah, il manque la petite queue de pomme. Bon, allez, on sort la gamine, là. Bon, oh, bah, c'est la copie conforme de sa mère. Regardez-la, elle sourit. Petite queue de... Moi, je veux trouver le chien. Je veux le chien. Regardez le truc, mais... Là, je tombe sur une queue de cheval. C'est pourquoi il faut mettre sur la gamine comme... Ah, ah. Ouais, moi, je veux le chien. Oh putain, j'ai tout pété. Le chien, bordel. Ah. Qu'est-ce que c'est, ça? Une brosse à cheveux. Genre, je vais aller brosser la cheveux de la barbe. Bonjour et bienvenue au salon de Nolito Pète de l'air. Vous allez bien? Vous en avez marre du Covid? Vous comprenez pas pourquoi on porte des masques? Allez. Moi, je veux toujours le chien. J'y porte plus les chiens que les humains, moi. Allez. Ah, ah! Un petit chien! Un chien, oui! Mais j'ai quel âge? Plouf! Oh non, il y a des petits nounours. Mais moi, là, je vais vraiment m'inventer une vie avec mes barbies. Hein. Il est trop mini. Bon, ben, ma mère, elle vient visiter la maison, là, du coup. Qu'est-ce que t'en penses de la maison? Oh, elle est super. Ouh, la télé! Oh, elle fait ma longueur, enfin! Qu'est-ce que tu fais? Mais je m'allongeais et tu regardes, c'est des femmes.
Hein? Où tu vas là? Où tu vas? Je vais chercher ma valise pour l'amener dans la chambre d'amis. Quoi? Tu vas où là? Eh bien, dans la chambre d'amis. Quoi? T'emménages ici? Ben oui. Complètement ravagée, toi. Ah, mais dis, attends, c'était prévu là. Moi, Tu veux quoi? J'ai du café et tout. J'ai du café là-dedans. Non. Il n'y a que ça de vrai. Non, mais t'as carrément amené ton chez toi, t'as amené ta ricorée. Mais oui, c'est ça qui me réveillait. Mais pourquoi tu t'es déguisée là? Aïe, putain, merde. Mais pourquoi ta robe de... C'est quoi cette parabole? Qu'est-ce que tu fous dans la niche de Pamela? Je suis dans la lune de miel. Bonjour. Ah, encore de la soupe, hein? Dis donc, les bonnes résolutions, vous les gardez, vous, hein? Mais c'est pas un peu tard pour faire l'objectif bikini, là? Vous allez l'avoir en hiver, votre objectif, on est déjà en juillet. Enfin, bref, je suis pas là pour juger, hein? Moi, je suis juste là pour encaisser. Hein? Quoi? Le prix de la courgette? J'en sais rien, moi. Appelle Catherine au téléphone. Tu crois que j'ai une tête à bouffer la courgette? D'ailleurs, Chantal, elle est pas là parce qu'elle s'est foutu un concombre dans le Vésuve, il s'est cassé en deux. Quelle conne, celle-là. Vous avez perdu votre gosse? Bah foutez-lui une laisse, c'est pas possible. Comment il s'appelle? Mathéo. Mathéo est attendu à l'accueil. Mathéo est attendu à l'accueil par sa maman. Oh, FDP, tu reviens là, dépêche-toi là. Ta mère Mathéo, elle est dans tous ses états, là, en train de pleurer dans les chaudières là. Dans la chaumière, pardon. Mathéo, reviens. Je sais pas, je suis pas mimimati, j'ai pas claqué deux, elle va pas apparaître votre gosse. Non. Oui, allô? Quoi? Non, je suis au téléphone, maman, je suis au téléphone. Oui, vous voulez un partenariat avec ma mère? D'accord. 4 000 euros? La vidéo TikTok... Non, elle acceptera pas, c'est pas assez cher pour elle. 4 000 euros, c'est... Oh, elle... c'est toujours bon à prendre. Tais-toi. Pardon. Excusez-moi, j'ai quelqu'un à côté qui parle fort. Pamela, arrête. Attendez. Ben avec non, parce que enfin là vraiment elle se donne énormément dans les vidéos et avec 4 000 euros elle peut même pas acheter sa laine pour le tricot. Elle va refuser. Voilà, je suis désolée. On va refuser le partenariat. Non, mais accepte-le pour moi. Tu rigoles ou quoi? Attendez, ben écoutez, je vais vous la passer et vous lui dites pour les 4 000 euros. Allô? Mais il n'y a personne au téléphone. Je vais dans mon jacuzzi préféré. Je monte la première marche. Puis la deuxième. La suite sur mon Insta. Oh, avec ta gueule. Oh, oh. Oh là là, soleil mio. Oh. C'est moi qui fais des bulles avec mon rectum ou c'est le jacuzzi là? Merci Bouddha pour cette vie de rêve. Je fais le malin, dans 2 jours je vais retourner dans mon studio de 18 mètres carrés. Je vais mettre les bulles. Ouh! Moi, ça m'a perforé l'hymen, non? Je l'ai pris en plein dans le gland. Attendez, je vais replacer ça. J'ai une couille à l'ouest et une autre à l'est. C'est bon, RAS. J'ai gardé mes 2 couilles. Vous avez vu mon sourire de bonheur? Je vais faire semblant de me noyer. C'est pas drôle, hein? Ceux qui faisaient ça, là, dans l'eau, là. Franchement, vous servez à rien sur cette terre. C'est ridicule, hein? Tout à l'heure, sur l'aire de repos, avant d'arriver à la maison... Il y a un mec qui me regardait comme ça, je vous jure. J'ai eu peur. J'ai encore acheté n'importe quoi. J'ai vu ça sur Amazon, je me suis dit oh, mais achète, tu vas pouvoir nager et tout comme une sirène. Sauf que j'ai la carrure d'un Bernard Labitte. L'ermite, pardon. Oh là, oh là. Mais je vais vraiment ressembler à une sirène. Bon, une sirène en surpoids, mais on fait quand même. Bon, allez, on va mettre les écailles. Il y en a. Ah oui, c'est les 2 pieds dans le même trou. D'accord. Oh là, arrêtez de rigoler, d'accord? T'es dans ta jalousie? Bah moi je suis une sirène surimi. Fais voir déjà là. Oh là, oh, la sirène elle est restée un peu trop longtemps au rayon surgelé. Il faut que j'insère la queue en bas. Eh, ça fait un peu robe. J'enregistre là ou... Ah ouais, on peut pas marcher. J'enregistre ou pas là? C'est un carnage. Alors je peux pas marcher. Je peux... Ah non, ça c'est la baleine, merde. Oh. Je vais essayer de péter mon verre avec ma voix, comme la grosse dame d'Harry Potter. Bah, comment c'est parti, Titanic. Deux qui me tiennent, 3 qui me niquent.
marche pas. Faut pas me prendre pour une conne, bien sûr. Avec ton habit de pantin, boss caca, des 7, des 8. Un conseil, ferme ta gueule. Pendant que t'embrasses un gars, moi je baisais mon lit. Oh la nia. J'ai reçu ma Barbie. Par contre, je sais pas ce qu'il a fait le livreur, mais il a tenté de voler ma Barbie. Regardez ça, en katana, il a essayé de la voler. Oh là 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 là. Et en fait, c'est quoi? Tu mets de l'eau, tu remues, ça devient une Barbie? Putain, si je pouvais mettre mon ex laidron là-dedans, que je remue et qu'il se transforme en Ken, je veux bien, moi. Oh là, mais bonjour d'abord. C'est quoi tout ce truc-là? Oh, je vais pas faire un truc de chimie, hein. Je vais exploser la casse-bas à cause d'une poupée, quoi. Oh là là, il faut que je lise les instructions, mais c'est pire que les jouets dans les Maxi Kinder. Je préfère manger le chocolat que faire le jouet, c'est trop compliqué pour moi. Bon, j'ai mis de l'eau chaude dedans. Et là, je dois mettre la poupée là-dedans. Ça y est, maintenant, je dois remuer. Sac. Oh là 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 là, cette tsunami là. Putain de merde. Elle est même pas encore sortie de son bocal qu'elle va s'en prendre une, cette connasse. Ah, putain. Bon, allez, c'est parti. Waouh. Ben, ils sont où ces cheveux-là? Ils sont partis en cours de route. Ouh. Colissimo. Il n'y a plus d'argent. Je viens de recevoir le nouvel iPhone, là, qui est sorti aujourd'hui. Le 12 Pro Maxi Best of Menu, je sais pas quoi. Allez, on va déballer ça. Oh, merde, c'est une cuillère. Merde. C'est parti. Voilà, on va. Oh. Non, il n'y a rien. Juste un carton blanc. Je fais genre, mais il n'y a rien d'exceptionnel. ASMR. J'ai rien entendu. Mais elle est toute petite, la boîte. Hein. Ah oui, mais c'est vrai qu'ils mettent plus le chargeur dedans. Vous êtes vraiment des rapias, Apple. Bientôt, ils nous mettront juste la boîte. On n'aura même pas l'iPhone dedans, tu sais. Enfin, moi, c'est ce qui m'était arrivé l'année dernière. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait un déballage en story. Il n'y avait pas l'iPhone. Si vous avez jamais vu ma story, je l'ai republiée sur Instagram pour aller voir. ASMR. Oh là 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 là. Oh, j'ai l'orgasme. Je suis vraiment un pigeon. J'ai pris du poids, donc je vole pas, mais je suis quand même un pigeon. Je l'ai pris couleur or. Hein. Bah, il a pas d'écran. Ah non, c'est fou. Oh, c'est le protecteur. Go vendre mon âme. Bon, ma voiture, elle a lâché. Donc, il fallait que je change de voiture. Je vais vous la montrer. Mais en fait, tout le monde me dit que c'est une voiture de poufios. Ta mère, là, ça sort. Faut que j'arrête de m'énerver. Je suis cardiaque, moi. Je suis comme les hamsters. Un coup de vent et je claque. Hein. Du coup, j'ai acheté une tenue poufios pour vous présenter la bagnole. Ah, me baby. Oh, ça craque. Oh, j'ai une sacrée culotte de cheval, moi. T'es su serré là-dedans, moi. On dirait tacos. Voir mieux à la piscine faire des bras. Mais c'est quoi cette perruque? Oh, elle est d'une qualité. Oh là là là, ils ont été déterrés les cheveux de plâtre en soie ou quoi? Mais c'est quoi ça? Emmanuelien, par son thème. Claude, on t'aime! Je les ai tous mangés, moi, les Magnolia, Claude! On est d'accord, c'est pas du tout la même coupe, hein, je veux dire. Tu me dirais, moi, quand je vais chez le coiffeur, alors je veux exactement ça. Et tu ressors, t'as un rat mort sur la tête, quoi. Elle a mal tourné, Barbie. Ah là, c'est violent, pour Barbie. Hein. C'est pas Barbie la dessine, là. Là, c'est Barbie s'est fait rouler dessus par un camion. Hein. J'ai mis un shot parce qu'on voyait mes couilles. Oh, mon Dieu, cachez ça, je vais faire peur aux gosses. Je vais faire peur aux... Bonjour. Bonjour. Dis pas bonjour, votre gosse, il a perdu sa langue. Que je te foutrais ça au four thermostat 5. Mal élevé, va. Peau de couille. Ah, vous avez arrêté les pâtes, vous achetez de la soupe cette semaine. On les connaît les bonnes résolutions, coquine. La semaine prochaine, vous reviendrez, vous achèterez des brownies et plein de trucs sucrés. Enfin bon, c'est pour vous que je le dis si vous voulez pas rejoindre le cimetière des éléphants. Moi, j'ai commencé un régime que j'ai vu à la télé, comme j'aime. J'ai perdu 10 kilos et mon fémur avec. Ah, vous avez quand même pris du coca. On prend des bonnes résolutions, mais pas trop. Allez, à la semaine prochaine, hein, et faites des squats, hein, vous en avez besoin. Je vais te montrer des mecs, il va falloir que tu les notes, d'accord? Oui! Je peux me permettre, je suis sublime. Ça, c'est mon top 5, vas-y. Oula, ça existe dans le commerce, hein? Tu le trouves pas beau, lui, en fait. Oula, il vient pas de la planète Terre, là. C'est Anus, là, enfin, Uranus. Alors, lui, franchement, hein. Oh, tu me donneras son 06. Mais attends, hein. Maman, t'as 70 fois son âge, ça. Oh, quoi? Je suis bien conservé, hein, je mange des McDo. Tu crois que t'as une chance ou quoi? Mais tu me prends pour une momie? Non, un fossile. Bon là, c'est l'acteur de ma mère, c'est l'homme de toute sa vie. Oh lui, tu le touches, t'es mort. Touché, touché. Non, 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 tu le touches pas, sinon tu vas bouffer le carreau. Hein. Bon, lui, c'est mon mec, je te le présente. C'est ça, oui, tu me ramenais que des mauvaises notes et jamais un mec. Par contre, il a baisé Molly. Qu'est-ce que t'as dit sur Molly? Eh ben, ramène-moi mon lit, je la démonte sous le lit.
Bon, avec ma mère, on va essayer de voir si elle connaît les stars françaises, parce que la dernière fois, américaine, elle... Qu'est-ce que tu fais, là? Tu pues du bulbe. Pousse-toi. Alors, elle, elle est connue, hein. Elle... Oh, ben, c'est Cambroura. Non, non, c'est pas Cambroura. Aya. Aya. Cambroura, Cambroura. Non. Elle, c'est qui, elle? Oh là là. Alors là, c'est celle qui faut que son mec... les caleçons sales. Pou, pou, pou. C'est son mec qui la fout cocu, non, c'est non, pas elle. Non, c'est du consanguinage, elle sort avec son cousin. Mais... Lui, c'est qui? Mais c'est quoi ça? On lui a chié sur la tête ou quoi? On l'a pris pour un nid? C'est Jules. Bon, mais Jules, là. T'es mon bijou. Alors, lui, c'est qui? C'est qui? J'en perds les mots tellement il est beau. Lui, c'est qui? Oula. Ouh, je connais pas, mais il est beau, hein. J'aurais bien aimé avoir son 06, hein. Et voilà. Ben vas-y, hein. Ah ben oui, ben regarde, tu sais même plus marcher, tu tombes. Oh là, lâche la rampe. Oh, 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 oh. Pamela, calme-toi, tu vas canner, là. Le cœur, pense au cœur, cœur. J'ai acheté un détecteur de fantômes. On va chercher s'il y a un fantôme dans la maison. Je vais fermer tous les volets pour que ça fasse peur. Je sais pas pourquoi je rigole, je vais me chier dessus. Ça y est, il y a tout qui se ferme, là. Je commence déjà à avoir peur. Pamela, arrête de me juger là! Force de péter plus que ton kit, tu vas finir par te chier dessus! Bon, allez, on y va, les jeunes. Tant que c'est vert comme ça, c'est qu'il n'y a rien, je crois. Pamela, t'es où? Pamela! Te cache pas, je t'entends là, tu ronfles comme un porc! Est-ce qu'il y a. Aïe, 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 il y a quelqu'un là, il y a quelqu'un ici! Ouh, ouh! Dame Blanche ici, es-tu là? Avec, t'étais pas là. Oh, 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 elle est... J'ai fait une crise de panique. Viens pas, viens pas. Alors, j'ai écrit un chiffre sur la main. Si tu le trouves, tu gagnes ce oh qu'il y a non, sur ton Oh non, c'est pas vrai. Allez, le 12. Non, mais attends, ça n'a pas commencé. Peut-être que t'as la joie de vivre, Mireille. Oui. Je te filme pas, là. Filme, filme. T'es prête? T'as 30 secondes. Vas-y, dis des chiffres. 12, 13, 11, 15, 14, mais tu me fais chier! Attends, je fais une pause. Joséphine fait un infarctus. C'est vrai? Mais non, c'est une façon de parler. Oh, oh. Allez, on reprend, Mireille, on reprend, vas-y. Mais dis des chiffres, hein! Eh ben, 12, 15, 11. Mais tu dis les mêmes, hein! Allez, le 13. Non, continue, c'est toujours pas ça. 13, 11, 9, 8, mais tu me fais chier! Mais tu dis toujours la même chose. Tu me fais peur quand tu cries, maman, arrête. Moi, je sais plus quoi faire, le 14, le 12. Bon, je vais, ça fait 20 fois que tu dis 11, je vais te le dire, c'était 0. Voilà. Et si t'avais trouvé, t'aurais gagné la jeunesse. Oh, toi, tu vas t'en prendre une, toi. Réveil, je vais à l'école primaire avec mon sac d'Awanks. T'as vu, j'ai un sac d'Awanks. Et alors? Eh ben, j'ai un sac d'Awanks. S'il vous plaît, j'habite où, s'il vous plaît? C'est quoi ça? Mais c'est quoi ce truc? Mais ça, c'est pas censé vivre chez moi, ça! Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Bon, je me suis dit que vu le prix de ce truc, il était peut-être important d'acheter une coque et une vitre en verre mouillé. Trempé, je déconne, j'ai fait exprès. Qu'est-ce que je suis drôle? Je suis vraiment pas drôle, hein, mon dieu. On va le protéger au maximum pour plus de sensations. Non, attendez, vu le prix, ça vaut plus cher que moi. Je mets mon dash et je mets l'iPhone en vente sur eBay, c'est lui qui partira plus cher. Hein. Même à la brocante, je sais pas si mon cucu il se vendrait. Bon, on commence par mettre la coque, c'est pas bien compliqué. Enfin, tu me diras, ce matin, je suis allée à la poste et j'avais oublié d'enlever mon pyjama sous mon t-shirt. C'est par... Oula, c'est quoi tout cet attirail, là? Non, mais je suis pas MacGyver, moi. Alors, faut mettre ça dessus, apparemment. Moi, bon, ça y est, je commence à suer de l'arrêt, là, ça me fait peur. Alors, on installe ça. J'ai réussi. Là, il y a une vitre. Qu'est-ce que c'est ça? Reinigung, c'est de l'allemand, mais j'ai une tête à savoir parler l'allemand, moi. Allez, on nettoie la vitre. On y suit. Ah, mais il y a un gavet de poussière qui tombe, je peux même pas respirer. Maman, j'ai peur. Aïe, aïe, aïe.